Bonjour et bienvenue sur la Gata TV. Bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en présence du Droid Tech et aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un jeu où je viens de perdre la thune tout simplement, je vous le dis direct. Donc là, aujourd'hui, on va tester Urban Street Fighting. Et je vous annonce que c'est pas du lourd. Ah, plutôt, là, je l'ai pris en fait, c'est juste pour la déconnade, mais je pensais pas en fait. Sincèrement, je pensais pas perdre ma thune là-dedans. Bon, allez, vite fait, on va faire un petit tour. Donc, le jeu, il est disponible au prix de 5,99€ sur l'eShop. À la base, il était à 7,99€. Il y a moins 25%. Bon, déjà, ne le prenez pas, ça sert à rien. Retrouvez l'expérience de combat originale avec ce jeu de beat'em up hardcore. Battez vos adversaires avec des saccades et des coups incroyables, entièrement en 3D, bourré d'action et de physique réaliste, en solo ou en multijoueur local. Ce jeu vous apportera des heures de plaisir. Je rigole d'avance. Caractéristiques principales: triple A moteur physique, triple A moteur graphique, moteur All Advance, difficulté sélectionnable, 6 caractères, 5 scènes, 180 animations, musique optionnelle, effet sonore réaliste. Solo contre dispositif en mode 2 joueurs, multiples combinaisons contrôleurs intuitifs. Le jeu est full anglais, il est disponible depuis le 6/2/2021 et la taille fait à peu près 413 Mo installés sur ma micro SD. Et ouais, c'est du lourd, c'est du très très lourd. Donc on peut y jouer jusqu'à 2 joueurs. Le genre, c'est combat arcade action. L'éditeur, c'est Pixie Art. Et le développeur, c'est Benoît Varas. Voilà, donc full English, vous pouvez le retrouver. Mais personnellement, passez votre chemin. Donc voilà, au niveau des effets. Tranquille. Alors, la première fois que j'ai lancé le truc, je pensais qu'il y avait un bug avec ma console. Parce que du coup, j'arrivais pas du tout à lancer le jeu, tu vois. En fait, les menus, mais grosso modo, il faut les sélectionner, les Joy-Con. Je sais pas ce que ça a branlé, mais bon, voilà. Ça, c'était pour la petite histoire. Donc, player versus player. Et nous, on va jouer contre le CPU, parce que pour l'instant, je suis tout seul. Et voilà un peu ce qu'on a dans le menu de sélection de Urban Street Fighter. Non, Urban Street Fighting sur Switch. Voilà, on va pas écorcher le nom déjà que le jeu c'est de la merde. Alors, je pense que le développeur là, il a eu un problème. Hein. Ah non mais c'est sûr. Hein. D'habitude j'aime bien cracher sur les jeux, mais alors là, on va rigoler là. Là déjà j'ai déjà du mal à sélectionner le personnage. Hein. C'est-à-dire que non c'est pas, je suis en train de parler et tout ça. Là j'ai mon Joy-Con dans la main, ok. Tout est bien paramétré, mais j'ai du mal à monter là-haut. Hein. Je déconne pas. Hein. Et là j'ai pas un problème de ouais ma manette elle est pas machin, ma manette elle est pas truc. Non. Donc là, je vais essayer de sélectionner un joueur. On va prendre le joueur de foot, là. Voilà. Et je crois... ok. Donc, on va sélectionner... voilà. Et je vous promets, hein, je sais, d'habitude, vous savez comment on joue, hein, tout ça. Mais là, c'est pas un problème. Hein. Là, déjà, rien que le menu, c'est de la merde. Et voilà les décors. Ah ben... Ah, vous avez vu un peu? Oh, putain. Ah, là, je l'ai mis en hardcore, machin. C'est pas possible. Attendez, qu'est-ce qu'on avait dit, déjà? On avait dit... Attends, qu'est-ce qu'on a au début? Triple A moteur physique, triple A moteur graphique. Oh putain. Oh là, bah, je sais pas où il est, son moteur graphique et son moteur physique, mais... Donc voilà le jeu Urban Street Fighting sur Nintendo Switch, le jeu qui vaut 8 balles d'habitude. Non mais regardez-moi ça. Oh là là. Pff. Franchement, je vais pas tenir longtemps à faire la vidéo. Ah ouais. Pff, oh putain. Ah, vous allez me demander si je peux sortir un Hadouken? Non, je peux pas sortir de Hadouken. J'adore les jeux, hein, franchement, Tekken 3 et tout ça, je kiffe à mort. Dead or Alive, je kiffe. Soul Calibur, je kiffe. Mais alors là, franchement, j'ai juste envie de mettre ma Dreamcast et rejouer à Soul Calibur quand je vois ça. Voilà. Ah ouais. Il sert à quoi là? Il lève la jambe. Oh ouais, attends, je lève la jambe, je vais faire ma Washigari. Attends. Oh putain, ah ouais. Attends. Et c'est un joueur de foot, hein. Hop, j'ai fait un 2 hit combo. Donc, Benoît Varas, petite musique pour toi. Je code avec le cul, la. Si ça bug ou plante, je m'en fous, on paye pas pour tester. Oh putain. Bon, on va voir, on va faire un autre versus, parce que là, on va voir d'autres personnages quand même. On va tester celui-là, là, et en payeur, on va faire... On va voir le Mechanic Bot, voir ce que ça donne. On va voir un peu les décors. Bah oui, on va changer un peu. Hein. Oula. Donc ça donne quoi? Oula. Je sais plus, déjà, il est plus fort que moi. Wouton. On dirait Neji dans, avec ses techniques, là. Je vais t'enlever tous les Tekken sous. Moi, j'arrive même pas à faire machin. Par contre, il serait peut-être temps que d'utiliser ton pied, là. Ah, voilà. Oh. Oh putain, c'est vachement bien codé. Hein.
Et là, des heures de jeu, des effets sonores réalistes, des musiques optionnelles. Bah, heureusement que c'est optionnel. Je vous rappelle un peu ce qu'il y avait, hein. Des contrôles intuitifs. Ouais, j'ai un peu de mal avec les contrôles. Ah, franchement, ne perdez pas votre argent. Passez ailleurs. Oh là 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 là. Non, mais... On est en 2021, on est sur Switch, et on nous sort de la merde comme ça, hein. Et c'est payant, hein. C'est de la merde payant. Attention. Non, mais là, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. On est sur Switch, mais c'est pas non plus la console poubelle. Faut arrêter ces conneries, là. Eh, si vous l'avez acheté, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez acheté, hein. Et dites-moi dans les commentaires si vous allez l'acheter, hein. Oh putain, là il y a du lourd. Oh putain. Alors, les contrôles ne sont pas intuitifs. Le gameplay, je me fais chier. Voilà. J'ai perdu 5 balles et des brouettes, hein, comme je vous ai dit au début là. Bah, même j'ai perdu 6 balles. Donc super. Et évidemment, je peux pas me faire rembourser. Bon, on va faire autre chose. Enfin, on va faire autre chose, non. Ah, je l'ai mis en easy en plus. Ah ouais, ah, bah, heureusement. Donc voilà. On va voir un peu ce que ça donne. Lui, on l'a vu jouer. On va prendre lui. Et on va prendre elle. Comme ça, on aura fait le tour de tous les personnages. Et qu'est-ce qu'on a? Un stage 4, on va voir. C'est vraiment, vraiment compliqué de... Oh, la musique. C'est, je crois que c'est la même que tout à l'heure. Et là, évidemment, et regardez un peu. Je code avec le cul. Pop, 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 pop. Eh non, mais Benoît, là, à un moment, tu fais comment pour jouer, là? Tu m'expliques? Benoît Barras, là, le développeur. Oh, oh. Mais sérieux, faites tourner la vidéo, là. Non, mais là, il est sous la gueule du monde. C'est-à-dire que tu codes pour qu'on puisse pas voir. Ah non, c'est un mode caché en fait. Voilà, bonjour, je suis caché. La caméra suit même pas, quoi. C'est du porte-nawak. Je me fais ratamer. Enfin, voilà, quoi. Ah non, mais attends, il fait quoi, lui? Ah, il fait rien. Ah oui, d'accord. Attends, viens par là. Hop, voilà, il fait des... Oh, attends, super. Attends, il fait quoi, là? Ah d'accord, il sait esquiver. Ah... D'accord. Voilà. Ok, ok, d'accord. Enfin, voilà, quoi. Du coup, je vous ai présenté Urban... j'ai même pas envie de dire le titre. Urban Street Fighting sur Nintendo Switch. Un bon jeu de merde qui est sorti. Malheureusement, je pense qu'on prend la console pour de la merde où les développeurs se foutent de notre gueule. Voilà. Et le pire, c'est que le développeur, il a trouvé un éditeur. Ça, c'est archi fort, quoi. Enfin voilà, c'est vraiment de la pure merde. Donc bah passez votre chemin, faites tourner la vidéo pour éviter que les gens se fassent arnaquer par ce jeu. À moins que vous ayez vraiment 6 balles à dépenser pour rien. Enfin passez votre chemin, il y a d'autres super bons jeux. Je vous dis à la prochaine sur les KataDV. Et je suis super déçu aujourd'hui. Voilà, salut. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.